Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr un menu suprême de chez Quick, un nouveau suprême burger, voilà. Et d'abord, bon courage pour les derniers jours d'école, peut-être certains d'entre vous sont déjà en vacances, auquel cas bonnes vacances, peut-être que vous regardez cette vidéo, vous êtes en vacances. Alors bonnes vacances à tous. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet, dans ce menu. Donc de chez Quick, je vais passer devant, je me dis tiens c'est l'occasion, c'est pas un placement de produit. Eh bien j'ai pris des petites pommes de terre rustiques, ils appellent ça, avec leur petite sauce maison, sauce fromagère à la tomate et au basilic. J'ai pris en boisson un green iced tea, voilà donc c'est un thé glacé vert. Bon là il n'est pas vraiment vert, mais voilà, c'est un green iced tea, j'avais goûté. En burger, j'ai pris le nouveau suprême Chicken, je me rappelle du nom, c'est le chicken barbecue, voilà, ça y est, regardez, hop, 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 on va l'ouvrir dans quelques secondes, et en dessert, je vais le mettre au congélateur tout de suite, j'ai pris une glace, comment s'appelle cette glace, eh bien, j'ai le nom sous les yeux, voilà, c'est un dessert Mix Mania au Lyon, c'est-à-dire c'est une glace vanille, avec, j'ai pris un apache caramel et des petites céréales Lyon, par-dessus, voilà, je vais le mettre au congélateur tout de suite. Et voilà, parce que c'est quand même meilleur quand c'est glacé, une glace. Eh bien, c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite par les pommes de terre rustiques. Regardez comme elles sont belles. Eh bien, c'est parti, je vais déguster ça. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté des rustiques. Le couteau magique. Voilà, regardez, pommes de terre. Très bien. Je vais goûter également la petite sauce faite maison, une sauce fromagère à la tomate et au basilic. Ça y est. Hop, et voilà. Ok. Alors c'est parti. Alors déjà, je vais goûter nature. C'est un peu gras. Hein. J'ai les doigts qui brillent. Ok. Alors c'est parti, je goûte. On sent bien la pomme de terre. C'est bon. Ça n'a pas le même goût que les potatoes au McDo. C'est plus pomme de terre. Là, on est plus dans le brut, j'ai l'impression. Là, avec la petite sauce fromagère, c'est parti, je goûte. C'est bon, on sent bien le basilic, c'est très léger, c'est estival, voilà, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est bon. Et bien maintenant, alors déjà une petite gorgée de ce green iced tea. Hop, oh, je mets une paille. C'est une paille que j'avais parce qu'en fait, les pailles vont progressivement disparaître des fast-foods. Si vous ne le saviez pas, c'est en cours. Voilà, ça va être testé dans quelques dizaines, quelques centaines de fast-foods en France. Et toutes les pailles en plastique, en tout cas, vont disparaître. Donc, ils vont mettre des pailles en carton, je ne sais pas quoi. Ils essayent de trouver des solutions alternatives. Alors, c'est parti, je goûte ce green iced tea. C'est bon. Je ne sais pas quoi il est. Il n'est pas à la pêche, il n'est pas à la menthe, il n'est pas au citron. Mais il est bon. Alors, rafraîchi, c'est parti, maintenant je vais ouvrir ce burger, le Chicken Supreme Barbecue. Il est nouveau, en tout cas c'était marqué nouveau. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans des quicks. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, et ouverture. Très joli bun, avec des petites graines de sésame, petites céréales par-dessus. Voilà, on fait le tour du propriétaire. Il y a des feuilles de roquette. Ah, j'adore ça, la roquette. Et il y a bien sûr du poulet pané. Et il y a une sauce barbecue, hein, c'est écrit dans le titre. En fromage, on dirait de l'emmental. Voilà, regardez. À la barbecue, oui, on peut la voir ici, là. Au niveau de mon pouce. Très bien. Bon, vous connaissez un petit peu le concept de Studio Bubble Tea Food. Je prends mon couteau magique et je coupe. Allez, c'est parti. Voilà, je coupe un gâteau. Oh, pourquoi pas, tiens. Ça change, je vais me découper une part d'un burger. Qui veut une part d'un burger? Et pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis on va rajouter une bougie si c'est un anniversaire. Hop, voilà. Encore un peu ici. Voilà. Un peu ratatiné quand même, hein. Un peu ratatiné, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a beaucoup de poulet, c'est très bien. Ok, j'aime bien goûter les éléments à part, donc je vais commencer par le bun du dessous, un petit peu grillé, sans sauce, c'est parti, je goûte. C'est du pain, un peu sec, je sais pas si c'est du jour ou s'il était congelé, un peu sec. Maintenant je vais goûter le poulet avec la sauce. On peut voir qu'il y a de la tomate, du fromage et de la roquette, c'est parti, je goûte. Heureusement qu'il y a la sauce, on sent pas la roquette. La roquette n'a pas de goût, le poulet n'a pas trop de goût, c'est la sauce qui a du goût. Ok,
Maintenant, je goûte la partie haute. Bon, c'est à peu près ce que j'ai goûté juste avant, sans le poulet. Heureusement qu'il y a une petite sauce. Un petit peu poivré, un petit peu... Non, elle est bonne, la sauce est bonne. J'aime bien la sauce. Heureusement, parce que le reste, je suis pas... Voilà. Mais c'est surtout parce que c'est un petit peu fade, en fait. C'est un petit peu fade au niveau des produits. C'est bon, hein, autrement, on peut pas dire que j'aime pas, mais... C'est pas grand, grand intérêt. Alors, je vais essayer de goûter le poulet sans sauce. Voilà, hop. Regardez ça. Alors, je sais que certains adorent quand je coupe comme ça, et d'autres aiment moins. Mais voilà, c'est un petit peu le but de la chaîne, c'est de voir les éléments des aliments. Les éléments des aliments. Attention, c'est parti, je goûte. Ouais, fade. Très fade, la chapelure est à peine assaisonnée. Heureusement qu'il y a la sauce, donc ça reste quand même un burger qui est très correct hein, pour un burger. Un burger, s'il n'y a pas de sauce, de toute façon, ça n'a pas de goût. En tout cas, dans les fast-food, hein, comme ça, je parle. Parce qu'un vrai hamburger avec un vrai morceau de poulet ou un vrai steak haché charolais, là, ça a du goût, même sans sauce, quoi. Bon, allez voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite il y a deux semaines chez Big Fernand. C'était autre chose, voilà. Alors, bah maintenant, je vais goûter l'ensemble, comme ça, je vais prendre un gros morceau, c'est parti, je goûte le nouveau Supreme Chicken Barbecue de chez Quick, c'est parti. L'ensemble est très correct, ça fait, voilà, ça fait burger, mais c'est difficile à identifier. Le barbecue, je ne sais même plus où il est d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il est de l'autre côté, le barbecue. En fait, il y a du barbecue sur une seule partie du burger, je ne sais pas si vous avez vu, il est là, le barbecue. Il n'y en a pas partout, là, il n'y en a pas. Là, il y en a ici, et au milieu, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais goûter cette partie-là, et je vais croquer. Mmh. Là, oui. Là, oui, on sent bien le barbecue. Alors, je vais croquer avec le barbecue, voir ce que ça donne. Attention, je partis, je goûte. Là, oui, on sent bien le barbecue. Il porte bien son nom, dans le poulet, dans le barbecue. La roquette, c'est franchement dommage, parce qu'on ne la sent pas du tout. Même quand je la prends à part, comme ça, elle n'a pas de goût. C'est dommage. Donc moi je mettrais sur 10 un petit 6, voilà, parce que j'aime bien mais je ne me régale pas, franchement, je le finirai mais je ne me régale pas. Les frites sont plutôt bonnes par contre, les frites sont plutôt bonnes, elles ont bien le goût comme de terre, bien que un peu grasse, mais ça c'est le, on va dire c'est le beignet qui fait ça, mais à l'intérieur, c'est plutôt bon. En tout cas je suis content parce qu'il y a de moins en moins de Quick. En France, vous le savez, tous les Quick sont au fur et à mesure remplacés par des Burger King. Je reprends une gorgée. C'est bon, il est bon celui-là, le Queen Axe, c'est la première fois que je goûte ça. Ça fait du bien, comme il fait chaud. Ouh. Bon, maintenant, il est temps de goûter la glace. Et voici la glace Mix Mania. Donc là, j'ai pris des morceaux de lion avec un nappage caramel, j'avais un doute. On dirait du chocolat, mais c'est bien du caramel. Eh bien, moi je m'en fiche, allez, le but c'est de prendre le goûteau, par contre je vais quand même le nettoyer. Voilà, tout propre, alors maintenant je vais pouvoir goûter la glace. Alors déjà je vais prendre de la vanille sans rien, comme ça. Généralement les glaces vanille dans les fast food, c'est pas super exactant au niveau du goût. Alors c'est parti, je goûte. Ouais, voilà, bon, ça a goût de vanille. C'est pas de la vanille artisanale, et on voit même pas les petits morceaux noirs de gousses de vanille, mais bon. Ça rafraîchit, voilà. On va pas en demander plus. Par contre, maintenant, je vais goûter avec le caramel. Hop, comme ça. C'est parti, je goûte. Oh, le caramel est très bizarre. On dirait un caramel chocolaté. Pourtant, c'est pas du chocolat, c'est sûr. Mais il est très bizarre. Bon, maintenant, je vais prendre, allez, des petites céréales de lion. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont été un petit peu radins. Regardez, j'en ai quoi? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, je fais quoi? J'ai une vingtaine de petites boucles, c'est pas beaucoup. Faut les chercher. Hein. Ah, je suis très critique aujourd'hui. Hein. C'est pas mauvais, mais ouais, c'est sous de la moyenne, mais c'est un petit 6, quoi, le repas. C'est un petit 6. Hein, c'est parti, je goûte l'ensemble. Alors, c'est bon, ça rafraîchit. Mais c'est pas un régal, quoi. Il y a des desserts nettement meilleurs que ça, heureusement. Un petit, les pommes de terre, je vais mettre un petit 7. Les pommes de terre sont bien, quand même. Un gros 7, même. Un 7,5. Mais... Le burger, un 6. Lui, ça, si, allez, un 6,5. Un 6,5, voilà. Bon, bah, voilà. Non, le par contre, c'est très bon. Ouais, bon, après, c'est du Lipton, hein. C'est Lipton qui fait ça, mais voilà. Bon, je sais pas, bah, ouais, ça rafraîchit. Je suis pas un fan des thés glacés, mais celui-là, j'aime bien. Non, c'est très bien. Bon, bah, voilà. En tout cas, bon, j'ai bien mangé. Je vais terminer ça tranquillement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu critique. Voilà.
Bon, il y a des fois comme ça, je me régale, et il y a des fois où c'est moyen, et puis il y a des fois où c'est pas bon, ça arrive aussi, si vous êtes infidèle. Eh bien, en tout cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, partagez. Abonnez-vous aussi à Studio Bubble Tea, Studio Bubble Tea Gaming. Bientôt 100 000 abonnés sur Studio Bubble Tea Food. Voilà, on se retrouve de toute façon pendant toutes les vacances. On continue tous les mercredis à 9h du matin. Où ça dépendra aussi des endroits où on pourra être pendant les vacances. Voilà, en tout cas, ça sera normalement le mercredi, sinon ça sera un autre jour. C'est pas grave, activez la petite cloche pour les notifications. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, mangez pas trop salé. Ah. Ni trop sucré, ni trop gras pendant les vacances. Ni pendant l'école d'ailleurs. Ni pendant le travail. Et on se retrouve en pleine forme. Prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents. La semaine prochaine, mercredi à 9h. Allez, ciao!